Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va? Je suis à Bordeaux, là. J'étais hier en spectacle dans une très belle salle qui s'appelle le Trianon, dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Fourrures de Bordeaux. Et je connaissais pas Bordeaux. C'est classe. On va faire une petite visite rapide. Ça, c'est un très bel hôtel. Paul Mirabel a dormi dans cet hôtel cette nuit. Je trahis rien. Hein. Il est parti à l'heure où je publie la vidéo. C'est beau aussi. Hein. Il paraît que le restaurant de Philippe Etchebest est ici, là, dans un coin de l'opéra. Vous avez peut-être déjà vu des trucs à la télé, des reportages. On a fini dans cette boîte de nuit là hier soir. Enfin, on y est rentré à peu près 5 minutes parce que il n'y avait que des gamins dedans. Quoi. J'avais l'impression d'être un prof avec en classe verte. Quoi. Ça, c'était impressionnant, quoi. Mais en vrai, je me disais, mais c'est des enfants ou c'est des ados, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que les ados, là, écoutent encore Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Et après, on est allé à une autre boîte qui s'appelle le Montesquieu. Non, le Monseigneur. Et Monseigneur, c'était un poil plus vieux. Et quand on est arrivé, il y avait exactement la même musique que quand on avait quitté le cercle. Et c'est juste à côté. Hein. Je me demande si c'était pas le même DJ pour les deux boîtes. J'étais avec Monsieur Fraise et Alexandre Kominek. Je sais pas si vous les connaissez. Mais... Alors, autant Alexandre Kominek, je sais que c'est un fêtard, autant Monsieur Fraise, je m'y attendais pas. On voit plus beaucoup de gens qui prennent des photos avec un appareil photo. Et on voit pas beaucoup de villes avec autant de patrimoine non plus. C'est ça le festival auquel j'ai été invité. Et je ne fais pas partie des artistes mentionnés sur l'affiche. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle tant d'autres. Si t'appelles pour réserver pour mon spectacle, non, moi c'est pour réserver pour l'un des tant d'autres. Je suis le relou qui va être derrière la photo. C'est moi. Bon, sinon, j'ai pas eu de panier garni à Bordeaux. Comme si à Bordeaux, il n'y avait pas du pinard. Des cannelés, des spécialités, du magret, des trucs comme ça. Je dirais pas que je m'en vais déçu, mais je me souviendrai. Bon, super. Bienvenue, messieurs, dames. Bienvenue à ceux qui sont arrivés tôt. Bienvenue à la dame qui a des lunettes orange plus haut, magnifique, très jolie, vous ne pouvez pas en profiter, mais alors moi, vraiment, c'est très bien. On dirait les lunettes que les opticiens, enfin les ophtalmos nous font tester pour ajuster en te disant plutôt comme ça ou plutôt comme ça, plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Ça, ça vous fait marrer, madame. Les autres, apparemment, oui. Vous m'en voulez pas? Non. Vous me les prêteriez pour que je montre aux gens? Non, mais c'est frustrant que vous ne voyez pas. Regardez, c'est tellement ça, quoi. Plutôt là, plutôt là. Oui ou non? Oui. Et le descente, là. Waouh! Dites-moi stop parce que je vais faire. Voilà, c'est ça le mec qui vous fait rire. C'est ça Bordeaux l'humour. Merci, vous en avez plus suffisamment même. Oui, tout à fait, vous allez pouvoir les monnayer. Bon, mais super! Vous voyez, ça c'est de l'interaction de qualité, messieurs. Ça c'est un spectacle qui commence bien. Je voudrais m'excuser, avant de commencer, auprès de deux personnes que j'ai croisées dans les toilettes. Oui. C'est vous deux? Je suis désolé. Il s'est passé un truc très rapide, un peu gênant. Non, non, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez. Je n'avais pas le micro à la main. Métaphore. Non. J'étais aux toilettes, en train de faire debout, concentré, et j'ai
bien visé au centre. J'étais content de moi, parce que souvent ça part en deux gestes séparés comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais alors là, je ressors, tu vois, vraiment, par politesse, un petit bout de papier autour. Hop, j'avais dans le trou. Je sors, le couple là. Vous êtes en couple? Ouais. Ça fait longtemps? Quand même? 16 ans. 16 ans? Ah ouais, c'est. Ah bon. Il y a eu d'autres histoires longues avant ou c'est la première? Super. Vous vous appelez comment? Manon. Manon et? Julien. Julien. Et vous venez de Bordeaux? Ouais. Ouais, super. Non, mais alors Manon et Julien avaient aussi envie d'aller aux toilettes. Ils ouvrent la porte, ils me voient. Et Julien, plus rapide que l'éclair, sort son téléphone, d'une selfie. Je lui ai dit, ben oui Julien, c'est exactement le bon endroit pour le faire. Je ne suis pas refroqué. Tu prendras un plan haut, hein, d'accord? Ça ne te dérange pas? Et alors là, moi je dis oui, ben oui, pourquoi pas, faisons-le le selfie. On y est maintenant, on y est avec faire le selfie, voilà. On va pas me dérober quoi, tu vois. Sauf que la luminosité n'était pas terrible. Parce que la lumière s'était éteinte, vous savez, la lumière s'éteint toute seule parfois, alors il faudrait applaudir, tout est là, machin. Est-ce qu'il faut faire des bruits, d'accord. Alors, oh, c'est très fin, c'est très fin. Et donc je dis, ben je vous attends dans le couloir. C'est moi qui les attends pour leur selfie. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Au niveau star, je suis là, monsieur Lavo. Star, c'est eux. On l'a fait avec mon téléphone. Je parlais de selfie dans la vidéo en plus. Ah bah génial. Donc on va, vraiment, on arrive à boucler la boucle, c'est incroyable. Ah bah c'est, ouais. Oh, mais en même temps, mince. Ouais. Je tourne un truc, sinon c'est pas. La boucle va être bien bouclée. Allez. On regarde par ici. Super. Ça marche. Génial, merci. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao. Avouez que ça paraît scénarisé un truc comme ça. Eh ben non, c'est spontané. J'ai de la chance. Hein. Je savais vraiment pas comment finir cette vidéo. Et là, bim. Allez. Bonne journée.